Ah, ça filme là. Bien quoi? Ça fait longtemps. Parlez à votre copine. Là, j'en suis bon. Mais vous êtes parti où là? Yaya, fais vite. Ça a commencé à filmer là-bas. Ça fait déjà 1 minute 30. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait une éternité que je suis plus sur YouTube. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, parce que je l'ai annoncé du coup sur les réseaux. Comme vous avez pu le voir, j'attends mon quatrième bébé. Voilà, je porte la vie pour la quatrième fois. C'est pour ça que j'avais un peu mis tout ça ensemble à deux. Il n'y a pas, oui. Il a fini son transition en 2 secondes. T'as même pas dit bonjour. Bien, moi, bien. J'ai faim. Donc, du coup, ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai été un peu absente. Voilà, je sais pas, je me suis prise de motivation. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir sur YouTube petit à petit. Et pour cette vidéo, ça va être un qui de nous deux. Trop chiant. Je me suis rendu compte que on l'avait jamais fait sur ma chaîne, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On a fait une vidéo où je crois que c'était mes abonnés d'Instagram qui nous posaient des questions. Mais voilà, je ne l'avais pas fait. On n'a pas encore fait un qui de nous deux. Comment c'est trop bon de manger? J'ai faim. Et du coup, bah, vu que j'avais faim, on a commandé. De base, je devais manger et ensuite truc. Et ensuite faire la vidéo. Tu peux nous mettre mon boisson au congélateur, s'il te plaît? Qui, moi? Moi. Ouais, vas-y. Merci. Donc, je continue. Je disais que. Voilà. Je sais plus, je disais quoi? Qu'on n'avait pas fait des kits de nous deux, on avait fait une FAQ là, quand on était à Strasbourg. Là. Ouais, voilà. Donc j'avais fait, voilà, c'est ça. J'avais fait une FAQ, mais on n'a jamais fait de kits de nous deux. La vidéo, ça va être un kit de nous deux, histoire de nous connaître un peu plus. Et voilà, c'est le comeback. I'm back en fait. Je suis de retour. Yes. Bon. Motivez-moi pour que je sois. Je sais pas si vous aimez bien le nouveau setup. Moi, cheminée, la cima, moi, lampadaire, banine, banine. J'espère que vous appréciez. Enfin, je vais essayer de faire un peu des efforts, quoi. Par contre, moi, j'ai super faim. Donc, on va manger en même temps qu'on va discuter. Enfin, voilà, vous avez compris. C'est parti. Alors, première question. Ah oui, dans la vidéo... aussi, on a fêté nos 6 ans de mariage. Applaudissez-nous, s'il vous plaît. On a fêté nos 6 ans de mariage. Et ça fait 9 ans qu'on est ensemble et 6 ans de mariage. Et dans la vidéo, je vais mettre quelques extraits du vlog. De base, ça devait être un vlog, mais je me suis dit d'allier les deux. Du coup, on va mettre un. Allier les deux, tu connais son vlog. Ben, bien sûr, il t'arrive ça quand même. Donc voilà, d'allier les deux, on va vous mettre quelques extraits de notre petit week-end qui nous a fait énormément de bien. Et voilà, donc ça peut vous donner des idées. Que, en vrai, vous voyez votre chouchou là que vous aimez là, il rend ouf. Oh là là, comment il rend ouf. Ouais, franchement, quand vous êtes parents et tout, franchement, prenez ces petits moments, faites-vous plaisir, sortez, changez-vous les idées, cassez un peu la routine, ça fait du bien et voilà quoi. Oui, bon, là c'est un petit tuto pour vous montrer comment il faut aller au cinéma, d'accord? On s'habille confortablement, d'accord? Tu mets un petit pige comme ça et surtout quand il fait froid, tu mets un petit pyjama. Là je vais être archi à l'aise et voilà. Bonne journée à vous. Merci, au revoir.
Et je vous souhaite un très bon film et le meilleur reste à venir. Premier rideau, directement à droite. D'accord. Bon film à vous. Merci bien. Au revoir. Et ndina zomi tandama awape nangana na kolala. Donc voilà, pour toutes les personnes qui seront intéressées, c'est au cinéma d'Aéroville. B, c'est ça, hein? Non, vraiment, on n'a pas les mêmes ciné. On n'a pas les mêmes ciné, on n'a pas les mêmes séances. Perso, je suis dans du bruit aujourd'hui, laissez-moi tranquille. Bon, je vous explique parce que madame, là... Elle fait des vidéos tellement... C'est une youtubeuse qui fait des vidéos une fois par tous les 6 mois. I'm back, ok. En fait, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. 6 ans qu'on est mariés. Et on est venu, ouais, on est venu au cinéma d'Aéroville. Une place VIP. Du coup, t'es accueilli avec... dans un petit, une espèce de petit salon privé. Ensuite, on propose plusieurs assortiments de boissons et de miniardises à manger. Franchement, à faire au moins une fois, parce et que franchement, ça change. Franchement, ça change de bon, après, on n'a pas encore regardé le film, mais je pense que déjà, on sera archi confortablement installé, ce qui fera que bah, on peut que passer une bonne séance, je pense. Bon, en vrai, t'es dans un confort de ouf. T'avais pris jus de pomme, hein? Un peu trop le pacha là, mon goût. Par contre, je l'ai archi pas respecté parce que moi. Voilà. 2 hours later. Bon, vas-y, chose sérieuse, on passe aux questions. Première question. Tu regardes pas. Qui est le plus âgé? Moi. Alvin, archi pas. Non, mais tout. Hein? Archi pas. T'as quel âge? Non. Non, attends. Actuellement, là, t'as quel âge? 28. Moi, j'ai quel âge? 28. Merci, au revoir. Salut. Et donc? On a le même âge, frère. Non, ils ont... Il y a on n'est pas nés le même jour, toi et moi. Bon, on a le même âge. Attends, on est né le même âge. On a dit. Qui est le plus âgé? On a, bah, le même on âge. On a le même âge. Attends. Vas-y, ouais. Toi et moi, on est né le même jour. Non, mais on a le bon, même âge. Qui a vu le jour avant l'autre? Qui a vu le jour avant l'autre? Toi. Qui a marché en premier? Qui a parlé en premier? Ah, c'est bon, on a compris. Qui a conduit en premier? Yo, t'as là. En fait, lui, c'est un 93. Oh, je t'ai déjà dit, t'as pas besoin de dire. Mais si, si on a dit qu'on a 28 ans, ça veut dire que le calcul est vite fait. Il est 193 et moi, je suis en 94. Une. Sauf que lui, il est né en fin d'année.
il est né en décembre. Vas-y, décale toute ma vie, vas-y, raconte toute ma vie. Ouais. Et moi, je suis née au mois de mai. Donc, du coup, bah, là, cette période, c'est la période où on a le même âge. Donc, j'en profite, en fait, parce que lui, il aime trop croire que sa petite mère. T'es grave petite, wesh. Donc, voilà, du coup, bah, on va lui parler ça pour faire quoi. Et la vie. Tu vas terminer. Arrête. Tu manges trop. Je vais finir. En fait, toi, Nazemi. Détends-toi, toi, Nazemi. Eh, hey, mais si, j'avoue. Eh, hey, lui, à chaque fois que je suis enceinte, il croit qu'on est enceinte en même temps, en fait. Donc, toi, Nazemi, donc, comprenez mon émotion. Si je mange beaucoup, si vous voyez que j'ai pris un peu de poids, c'est parce que toi, Nazemi. Prochaine question. Qui est le plus ponctuel? Moi. Oui, en fait, de base, je suis... Ouais, oh, wow. Bon, qui est le plus ponctuel? Non, j'avoue, c'est lui. Merci. Mama retard. Rendez-vous professionnel, retard. Rendez-vous personnel, retard. Rendez-vous familial, retard. Je me suis archi améliorée, en fait. Non, c'est là, on parle pas d'amélioration. Bah, si, ça on parle de ponctualité. Tu es mama retard. Retard. Quelqu'un en retard. T'es tonton en retard. Retard. C'est ta vie, le retard. Non. Tout le temps en retard. Regardez la vidéo qu'on avait fait chez Casarema. Le problème qu'on avait, c'était quoi? Le retard. Elle est trop en retard. Si vous allez regarder la vidéo du vlog où on a clippé SDM, elle dit qu'elle est en retard à l'intérieur aussi. Tout le temps le retard. J'ai fait des efforts, tu peux le mentionner. Ouais, t'es passé de 1 heure de retard à 45 minutes. 30 minutes. Plus j'ai d'enfants, plus je fais des efforts, c'est déjà bien. Ouais, mais tu restes quand même en retard. Moi, je suis quelqu'un de ponctuel, c'est mon côté Mendele. Je suis quelqu'un de très ponctuel. Ouais, franchement, c'est le seul truc que t'as de... Non, je rigole. Qui est le plus organisé? Organisé? Ah, tu réfléchis là? Ben, ça dépend dans quoi? Mais toi, t'es très drôle, toi. Mais toi, t'es MDR, LOL, dans tous les... Ouais. Moi, tu me menaces maintenant. Dans tous les aspects de la vie, je suis la plus organisée. Non, de ouf. Quoi? Quand faut sortir et tout, c'est... Non, bon, c'est toi la plus organisée. Merci. Quand faut sortir et tout, moi, je prévois tout la veille. Non, c'est bon, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est grave moi, en fait. Je suis quelqu'un de très organisé. Après, des fois, ça me prend d'avoir... Non, mais c'est très rare. À moins que vraiment je sois comme là, en fin de grossesse, j'ai plus la force que j'ai, enfin que j'avais. Mais sinon, c'est tout le monde la plus organisée. Et franchement, je vous conseille d'être organisé. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et aussi, ça joue sur le moral. Plus t'es organisé, enfin, plus t'es pas organisé, tu verras que tu seras tout le temps aigri, tu seras... Tu seras pas bien, quoi. Et ça va détendre sur ton entourage, donc organisez-vous. Et le Coca-Cola, chérie, frère. Alvin, c'est hors sujet. Qui est le plus rancunier? Toi. Qui est le plus rancunier? Moi? J'étais grave rancunière. Ah non, c'est moi, je crois. En fait, ça dépend. Dans le coup, ouais, c'est ça. Si c'est entre toi et moi, ouais, c'est toi coupe, la plus rancunière. C'est moi la plus rancunière. Mais avec les gens de l'extérieur, c'est moi la plus rancunière. Avec l'extérieur, c'est lui le plus rancunier. Ouais. Ah, moi, avec les gens de l'extérieur, je suis... Il faut que je calme. Parce que genre, par exemple, on va se disputer pour des bêtises, comme d'habitude. Par exemple, moi, je vais pas redescendre tout de suite, mais lui, il va revenir me parler 2 secondes après, comme si rien ne s'était passé, sauf que, mec... je suis encore énervée. Laisse-moi finir d'être énervée. Bon, je vous conseille pas. Quand même, faut pas dormir fâché. On essaye de faire des efforts là-dessus. Mais ouais, c'est moi. Ouais. Ah, entre nous deux, avant, c'est toi. Même avec les gens de l'extérieur, j'étais vraiment très très rancunière. Ouais, maintenant, avec les gens de l'extérieur, tu t'es. J'ai acquéri en sagesse. Ouais, tu t'es libérée de ça en fait. Ouais. En fait, j'agis autrement. Ça veut dire que je prends plus à cœur. Après, ça, c'est un autre débat. Moi, je suis rancunier de ouf avec les gens de l'extérieur. Mais c'est de la rancune protectrice, en fait. C'est de la rancune protectrice. C'est en mode ne jamais refaire la même erreur 2 fois. Voilà. C'est ce genre de rancune-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. On ne nous a même pas montré ce qu'on mange. Non. Un repas de gourou, quoi. Pff,
Franchement, si je vous montre ça là, vous ah allez oui, dire montre, la buse du bail. C'est beau. Sachant que je viens de taper un hamburger. Mais comme je vous ai dit, toi Nazim. Bien cheese-nan. Bien poulet. Banine, banine. J'ai jamais goûté, je vais goûter. Ça, c'est notre cheminée improvisée. En plus, t'as dit cheminée, c'est une image de YouTube. Prochaine question. Qui dit le plus je t'aime à l'autre? Je t'aime. J'ai déjà répondu dans l'autre vidéo, ça. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais depuis, est-ce que ça a changé? Moi? Non. Enfin, tous les deux. Oh, franchement, je vois pas de plus ou moins. On va dire tous les deux. Qui est le plus drôle? Leroy. Leroy, il est tellement drôle, ce gamin, c'est trop. Mais là, il s'agit pas de Leroy, en fait. Oh purée, faudra qu'on passe ça un jour avec les enfants. Eh hey, Leroy, purée, non, Leroy, c'est trop. Le plus drôle, je sais pas. Trop. C'est qui le plus drôle? Hein? Franchement, je sais pas. Entre nous deux? Ouais. C'est moi, t'es drôle, toi. Enfin, non, c'est moi la plus drôle. Je suis archi pas drôle. Elle vient tous les jours, c'est caca ou pas d'amis? Ouais, mais c'est pas, tu fais pas exprès d'être drôle. Ouais, voilà. En fait, je suis drôle, mais je fais archi pas exprès d'être drôle. C'est en fait, c'est pas. Toi, t'es drôle parce que. En fait, t'es rempli de bêtises en vrai. Ouais, en vrai, t'es rempli de bêtises des fois. T'es drôle dans tes comportements, genre comme tout à l'heure. Oh la dinguerie, j'ai envie de vous expliquer. Ouais, vas-y, je peux vous expliquer. Vous voyez notre salle de bain? Il n'y a pas de fenêtre. Ça veut dire que ça fait de l'humidité. Et vous connaissez dans les salles de bain quand il y a de l'humidité, la peinture au plafond, ça commence à. Comment on dit? À s'écailler, je pense. C'est frité un peu. C'est frité, ouais, c'est, je sais pas comment on dit exactement. C'est frité. Maintenant, elle a vu ça. Elle a commencé à pleurer. Moi, forcément, je suis mort de rire. C'est dans des trucs comme mais ça que je trouve qu'elle drôle. Est drôle. Merci. Non. Moi, c'est dans ça que tu me fais rire. Mais je... Comment t'as pleuré? C'est les hormones, c'est les hormones. C'est le ouf à la pleurer. On dirait ma bêtise. Je me jure. Hein. Moi, en fait, c'est des trucs comme ça qui me font rire. J'ai vu ça. Alors que, franchement, on a déménagé il n'y a pas très longtemps. Mais là, je suis déjà en train de chercher d'autres logements. Je suis une folle, mais bon. Comme ça. Ouais, wow, après, franchement, le plus drôle, moi, je pense que c'est moi. Hein. Tu mens, Alvin, c'est moi. Franchement, le plus drôle, je pense que c'est moi. Non. En fait, cette réponse-là. Même ta mère, elle a dit à chaque fois que je, elle dit que je suis drôle. Ouais, parce que t'es déclassé, ouais. En fait, t'es. Comment on dit? T'es ouais, ouf, ça, wesh. T'es. Comment dire? T'es. Comment, c'est quoi le mot, purée? J'arrive pas à trouver le mot. Prochaine question. Qui est le plus intello? C'est bon? J'ai cru que tu disais ça par la question. Fais goûter. Eh, ça aussi, c'est un truc que j'aime trop faire. Ouais, à cause de vos maquillages, quand vous mangez, vous êtes fait la bouche. Tu chou. Grave la cousine à Jonathan, mec. Je casse à Jonathan. C'est une balle perdue pour toi, mon gars. C'est bon. Je suis plus intello. C'est moi. T'es un peu narcissique, là. Ça se dit pas de... Fallait attendre que, c'est... que je puisse le dire. Mais après, c'est vrai que c'est toi, mais... En fait, ça dépend. Lui, c'est intelligent, genre... Les trucs de l'école, des trucs de maths, tout ça. Mais dans les trucs de la vie, c'est moi, en fait. Merde. Je suis grave la plus intelligente. Comment ça les trucs de la vie? Non mais genre dans la vie quotidienne. Ben oui, les trucs de la vie, genre. Démontre-nous ce que tu viens d'avancer. On a envie de savoir. Les trucs de la vie. Bah, si ouais. Moi j'ai pas compris, c'est qu'eux non plus, ils ont pas compris forcément. Allez. Bah par exemple. Bah après. Tu vois dans les contrôles quand il y avait écrit justifier votre réponse. Allez-y. Je pourrais te faire une argumentation. Vas-y, argumente, c'est ce qu'on attend depuis tout à l'heure. Du feu de Dieu. Oui, ça veut rien dire. Mais argumente. C'est moi le plus. En vrai. Non, dis la vérité. En vrai, non. En vrai, moi, je suis plus. Quand on dit plus intello, moi, c'est vraiment dans les trucs de l'école. Genre, aider à faire les devoirs, que ce soit sa petite sœur, que ce soit. Les petits, quoi.
aider à faire les devoirs, les trucs comme ça, je pense que c'est moi, je suis plus, pas forcément plus intello, mais plus à l'aise avec ça, on va dire. Non, mais si, parce que même genre tout ce qui est maths et tout, genre quand il y a des énigmes à la télé, il les rejoint en 2-2, des trucs comme ça, genre, alors que moi... Un expérience et à vie, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'expérience de la vie. C'est juste que c'est comme ça, t'es intelligent. Merci. Qui est le plus gourmand? Est-ce que la question se pose? Le mec qui vient de taper un hamburger qui fait la taille de... Je sais même pas comment je pourrais décrire. Et là, il est en train de taper ça et en plus, il va finir. J'en suis à mon premier burger. J'ai même pas mangé la moitié. Donc, en fait, il est bizarre. Parce que genre, des fois, il peut ne pas... J'attendais que t'arrives là, voilà. Pourquoi? Vas-y, maintenant, t'expliques. Parce que dire gourmand, c'est en mode quelqu'un qui est trop gourmand, qui mange tout le temps, qui va toujours piocher quelque part. Je suis pas gourmand. Ça, tu fais pas. Je suis plus gourmand que toi. Ça, tu fais ça quand c'est la nuit ou quand t'as tes pulsions. En fait, moi, je vous explique. Je peux ne pas manger du réveil, c'est-à-dire à 8-9 heures, jusqu'à facile 18-19 heures. Hein? 19 heures, je mange un repas. Et après, je mange plus. Mais ça m'arrive des fois dans la nuit, quand j'ai mes pulsions, ben ouais, je vais piocher des petits gâteaux et tout. Mais je tourne à un repas journée, en vrai. Quand je suis pas en mode sport, en mode diète, je tourne à un repas journée. C'est quand je suis en mode diète que je me mets à trois repas journée, bien pesé et tout. Et là, là, mais comme là, depuis qu'on est enceinte, là. T'es malade de dire depuis qu'on est enceinte, je suis morte. Non, c'est moi. Ouais, c'est lui. Et moi? Non, toi tu crains pas. Comment t'es enceinte? Les gens, ils ont pas cramé jusqu'à... Les gens, ils ont commencé à cramer là. Là? En vrai, c'est quand les gens ont commencé à cramer que t'es enceinte à la release? Ouais. À la release. Et après, c'est... Grosse dédicace à Isaac M. On est ensemble, mon ref. Parce que j'ai fait, enfin, comment je m'étais habillée, c'était craint. Et genre, je cachais pas. T'as pas cherché à cacher, parce qu'en vrai, si t'aurais cherché à mettre un vêtement ample, même à la release, les gens, j'aurais pas cramé. Ouais, en fait, moi, c'est que je mange pas. Enfin, manger pour moi, c'est un supplice, tu vois. Comme... C'est une corvée de ouf. Ouais, de ouf. Genre, des fois, on me force à manger. Ouais, c'est vraiment une corvée pour elle manger. C'est vraiment en mode, c'est quelque chose qui est chiant, quoi. Ouais, de ouf. Je comprends pas, pourtant tout le monde aime la nourriture. Et des fois j'aime trop faire la meuf en mode ouais, j'aime trop manger et tout, nanana. En fait, ça dépend. Il suffit que je fasse. Hein? Ça dépend. Quand t'as tes pulsions là, que tu. que t'as envie de manger les trucs du bled, genre bien pondu, bien. Ouais, et une zambie. Là, ouais, là y'a pas vrai. Besoin de te. Ouais, c'est voilà. Pas en fait, tout c'est... Temps, mais après, c'est ça, des fois. C'est des fois. Et encore là, vu que je suis enceinte, donc ça veut dire que c'est décuplé. Mais ouais, genre, quand j'ai mis... Attends, tu peux pleurer devant une assiette hein, quand t'es en mode pulsion, là. Je te jure. Et bah, Planis, bah, dongo, Nicolo, et Lobby, ma mère, elle va me faire... moi, ma dessous, bâché... Attends, elle m'avait dit, ça s'appelle comment? Attends. Ce qui ressemble à une serviette, là. Ouais. Nous avons un coup, non? Ma boum. Petit nom, oui. Voilà, ma dé soit peine au ma boum, na moi, poisson fumé, la Cathy, na moi, punaise, oh j'ai envie de manger, franchement, des trucs comme ça, vas-y, c'est pas mon délire. Next. Ouais, na ma, attends, faut que je trouve ma cause, au moins ma cause, la Cathy, eh Seigneur. Bref, les vrais, ça, c'est trop bon. Cheese done. Qui est le plus gaga avec les enfants? Ah, cette question elle est dure. Le plus gaga? Vous auriez dit qui est le plus... Enfin, la question aurait été qui est le plus strict? Non, gaga c'est pas strict, gaga. Gaga c'est un... Ah si, c'est moi, oui. En fait, il y a des périodes.
Moi, en fait, là, vu que je vois qu'ils sont dans une période où ils essayent de tester un peu, j'ai arrêté d'être gaga. Mon fils. Laura. Les deux ans, Laura, là. Laura, j'ai l'impression que, comme elle voit que Chouchou, il est en mode, je vais les tester, et bah, elle aussi, elle a suivi. Ah, bah, moi aussi, je vais réessayer de les... Ah, si, Laura fait la maline en ce moment. Je te jure que non. Franchement, ça va. Comment je suis pas méchant avec les enfants. Franchement, on dirait que je suis grave méchant. Bah ouais, des fois, t'es méchant avec les enfants. Non, non, non. Mais il faut instaurer un peu d'autorité. C'est très important, sinon on va se faire marcher dessus. C'est quelque chose à ne pas négliger. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous, on nous a tapé de ouf quand on était gamin. Et alors, moi, ça, je veux archi pas reproduire ça avec mes enfants. C'est des trucs qui peuvent à la longue traumatiser. Et moi, je trouve que c'est pas une solution. Mais de temps en temps, une claque par-ci, par-là, ça fait du bien. Dis pas ça ici. Ah, hein. Pardon. Retiens le bip. Mais voilà. Mais ouais, Gaga, en ce moment, celle-là, elle est super gaga. En fait, non, t'es grave une menteuse. Elle est gaga avec Leroy. T'es gaga avec Leroy. Les Clinois aussi. Bah ouais. T'es gaga avec Leroy, c'est moi, je suis gaga avec Clinora. Mais non, 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 c'est toi qui reste plus gaga. En vrai, de vrai, la question qui est le plus gaga, c'est toi. On dirait pas pourtant. Ils sont tout le temps papa, 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 mais pourtant, c'est toi qui es grave gaga. Bah, t'en as souffrir, boy. Parce que là, les gens, vous voyez, je suis un peu mignonne, etc. Mais ça a été la grossesse la plus, comment dire, éprouvante. C'est ma 4e grossesse. Et comment vous dire que j'ai souffert le martyr. Je souffre. Je souffre le martyr. Mais là encore, ça commence à aller. Mais en début de grossesse, c'est vraiment là que je me suis dit, non, Dieu, il est fort. Parce que franchement, toutes les grossesses sont différentes, honnêtement. Là, j'ai eu des trucs que j'ai jamais eu. C'était trop. On souffre vraiment. Osons souffrir. Alvin. C'est la Sonia. Après, c'est vrai que d'avoir un partenaire qui t'aide énormément, ça soulage. C'est vrai que de ce côté-là, il m'aide beaucoup. D'ailleurs, tu peux rajouter un coucou, parce que ça demande moins l'effort. Donc voilà quoi. Et ouais, donc c'est dur. Et ces gosses, ils sont super ingrats parce que après, c'est papa, papa et maman de temps en temps quand ça fait des bêtises. Bref, prochaine question. Qui est le plus spirituel? En gros, TTS du couple. Alvin, arrête. Oh, TTS, c'est toi. On m'appelle Grâce là, tout de suite là. TTS, c'est grave, toi. Grâce, c'est sûr, elle va dire moi direct. C'est toi la plus TTS. En fait, même, que ce soit eux ou ma famille et tout, ils disent que c'est moi la TTS. Mais je vois pas pourquoi les gens disent ça. Parce que ça veut rien. En vrai, ça veut strictement rien dire. Non, mais ouais, la plus spirituelle. La plus TTS, c'est toi. Non, après quand on dit la plus spirituelle, c'est. C'est vaste comme question, toi. Si on doit parler en termes de compréhension. Là, dites-moi, attends, pause. Je sais pas si ça vous fait ça. Je trouve que c'est un phénomène assez étrange. Ça veut dire que quand on mange, je suis obligée à chaque fois de prendre ce qu'il mange alors que j'ai mes trucs. Sauf que je suis plus attirée par ce que lui mange plutôt que ce que moi je prends. Bon. Voilà. Quand on parle de spiritualité, ça peut. C'est vaste en fait. Si on doit parler en termes de qui comprend le mieux les choses, c'est moi. Ouais. Genre qui a le plus de révélations, c'est moi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais si par exemple on doit parler peut-être en termes de vie de prière, c'est elle. Si on doit parler en termes de. TTS, oh TTS, purée. Non, la TTS. Là, tu t'es carrément un peu mieux. Hey, fais ton temps. Mais en vrai, c'est franchement, cette famille, c'est des ouf. Parce qu'ils pensent que quand ils me disent ça, parce que des fois, ils le disent en mode, oh, vas-y, Fabi, toi, t'es trop une TTS, de toute façon, nanana.
Mais pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Enfin, moi, pour moi, c'est limite, c'est un compliment, ouais, compliment parce que ouais. Ça veut dire que. C'est vrai que tu le prends vraiment en compliment. Ouais, moi, je le prends vraiment en compliment parce que ça me rassure. Parce que je me dis, ah, d'un autre côté, ça me protège. Pas que ça me protège, mais je me dis, un jour, si vraiment je m'égare, bah. Ça se verra de ouf. Ouais, comme à un certain mariage où t'as fait une entrée sur un certain son. Ouais, mais je savais pas que c'était de la musique du monde. Franchement, dis-toi, ça fait au moins. Ça fait 10 ans que j'écoute pas. 10 ans. Les paroles. Tony ouais. Montana. Tony pas, Montana. Tu connais pas Tony Montana? Mais Naebi était. Tu sais très bien que je connais pas, sinon. Nonchalant. Elle danse sur du wesh ça, alors. C'est Jimmy Ma. Et ben ouais, voilà la preuve. La preuve, quand elle a fait son entrée sur cette chanson-là. Bah, tous les membres de la famille, on était nous tous à côté. Mmh. Tout le monde était en mode wesh Fabi. Wesh Fabi, comment ça wesh? Depuis quand Fabi wesh? Et la première chose, dès qu'elle est revenue vers nous, la première chose qu'on lui a dit, on a dit wesh, t'es sérieuse? Genre, tu t'en souviens? C'est pour ça que d'un côté, je me dis que ça me protège. Et, genre, si un jour je déraille, je sais qu'on va me ramasser tout de suite en fait. Donc voilà, pour le plus spirituel, c'est. Ouais, bah, comme on l'a expliqué, c'est toi, ouais, mais voilà. Après ça dépend de dans après, quoi. Après, en termes de révélation, de compréhension de la parole, même de genre par exemple, prédication, d'exhortation, comment tout exhorter, ça, ouais. Comment c'est... Truc, quoi. Qui est le plus bordélique? En tout cas, Seigneur! Ah! Non, rien. Non, en vrai, c'est moi le plus bordélique. Là, je le sais. Hmm? Je le sais que c'est moi le plus bordélique. Bah, encore heureux que tu le saches. Je me suis amélioré de ouf. Je me suis cramé. C'est moi le plus bordélique. En fait, je vous explique. En fait, c'est pas bordélique dans le mode. Dans le sens genre t'es sale. C'est bordélique en mode t'as vu, t'as besoin d'être à l'aise. Et des fois, t'as besoin d'être à l'aise. Des fois, tu me sors des trucs. T'es tes chaussures là-bas, t'as besoin de te poser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est juste qu'en fait, moi. Je suis maniaque. Un peu sur les bords, hein, quand même. Je suis un peu maniaque sur les bords. Donc ça veut dire que moi, les trucs qui traînent pas à sa place et tout, je peux pas. Et lui, pour lui, des fois, il fait des trucs qui, pour lui, genre, c'est normal. Il va enlever ses chaussettes. Pourquoi tu laisses par terre? Genre, tu rentres dans la salle de bain. T'as le panier à linge, il est à 2 mètres, même pas. Ouais, moi dans mon bordel, je me retrouve dans mon bordel. Non! Et en plus de ça, la dernière fois, il m'a sorti quoi? Il a dit, mais pourquoi t'as déplacé mes trucs? Mes frères, tu l'as laissé par terre. Et en plus, il me dit, oh, pourquoi tu me déranges dans mon bordel? Je me retrouve dans mon bordel. Moi, je me retrouve dans mon bordel. C'est-à-dire que dans mon bordel, je sais, j'ai posé quoi? Ou elle aime trop, des fois, elle vient. Elle commence à toucher mon bordel, maintenant je sais pas, par exemple j'avais laissé un truc là, je sais pas c'est où. Oui parce que lui il vient chercher là où il avait laissé par terre, alors que non, tu prends, il y a des placards, tout est rangé, tu vas, tu prends là où c'est rangé en fait. Donc, le bordélique, bien évidemment que c'est lui, mais il fait des efforts, franchement il m'aide beaucoup. Non, en vrai c'est moi. Eh, Mbeza, non. Et je vous jure, c'est dur. J'ai hâte. Ah, d'ailleurs, ça m'intéresse, vos pronostics. J'aimerais bien savoir si vous pensez que c'est une fille ou un garçon. Puisque là, on a une fille, on a un garçon. Et je sais pas ce que vous pensez. Vous pensez que c'est une fille ou un garçon? Mettez-moi tous en commentaire. Et peut-être que je vous l'annoncerai sur mes réseaux. Je sais pas. Je pense pas. Mais voilà. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous mets mon Instagram juste ici et mon Snap juste ici. Et en plus, je vous partage. Bon, ces derniers temps, je reviens un peu. J'allais dire, je vous partage pas mal de choses ces derniers temps. Mais je suis fatiguée là. Là, ça y est là. Il y a le match là. Hein? Non, elle filme bien, on regarde un théâtre, non, s'il te plaît. Donc, on va faire une dernière question. Qui de vous deux est le plus sportif? Le plus sportif? Dans la tête, c'est moi.
parce que je vous explique, je vais vous dire pourquoi c'est moi. Parce que moi, je suis sportive et tellement que je travaille ça dans ma tête, ça se répercute sur mon corps. Les gars, je suis enceinte pour la quatrième fois. Je vais vous mettre une photo de moi juste ici, de comment je suis en fait quand j'ai eu après mes trois grossesses. Ça veut dire que mon sport, je le gère dans ma tête, d'accord? Et aussi dans mon alimentation. Ça n'a rien à voir là, c'est le sport. Donc voilà, je le gère dans ma tête et psychologiquement, je pense que ça travaille et du coup, ça se répercute sur mon corps. Et vu que le corps, c'est un mécanisme un peu chelou, et bah du coup, voilà, c'est pour ça que quand vous me demandez comment tu fais pour garder ta taille, bah voilà, l'explication, vous l'avez du coup. Donc, la plus sportive mentalement, c'est toi. Ah, mentalement, c'est moi, Alvin. Toi, pour te faire craquer, il suffit que je te dise un truc. On est en train de parler de sport. Donc, la plus sportive mentalement, c'est toi. Donc là, si on sort dehors, on commence à courir, tu auras le mental pour tenir 5 minutes. Est-ce que tu auras le mental pour tenir 5 minutes? Merci, au revoir. Non, mais lui, par contre, il abuse du sport. Genre, quand il est vraiment en mode dedans, c'est trop. Et il se réveille à des 7h et tout, juste pour aller courir. Et... 7h, c'est rien. Quand je suis en mode jet, mon réveil, il est à 5h45. Non, mais des fois, t'abuses. Et genre, il fait ça, après, il va rentrer, il va refaire du sport. Ça commence à me manquer en plus, un peu. Tout beau, Tanuki, quoi. Il me fatigue. Qui s'amuse le plus avec les enfants? Maman et Linora, c'est la fête. Hein. Bon, là ils sont par là. Qui s'amuse le plus avec les enfants, c'est toi? Qui joue le plus avec les enfants, c'est toi? Là, tu poses cette question parce que tu sais que je suis pas en état et que voilà, je suis fatiguée. Et que en ce moment c'est toi. Enfin en ce moment c'est ouais. C'est tout le temps moi. C'est tout le temps moi qui joue avec les enfants. Toi tu joues avec les enfants mais tu joues avec eux vite fait. Non, je joue avec eux. Tout le temps quand on fait la guerre ici là. Papa 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 papa. Ça court, ça saute, ça va se cacher, ça fait des courées ici. Des pompes, des patates, de la lutte. Bah déjà arrête avec tes patates parce qu'ils commencent à abuser. Non t'inquiète, je sais comment je vais m'occuper. Non mais après c'est vrai que tout ce qui est amusement on va dire c'est lui. Mais tout ce qui est activité c'est moi. Tout ce qui est activité. Activité de développement genre c'est toi. Ça, ouais. C'est pour ça qu'ils commencent à devenir ils sont très intelligents. Franchement, c'est une fierté parce que partout où je vais, on me dit, mais franchement, tes enfants, ils sont très intelligents, très avancés. Et je bénis Dieu pour ça. En cas de problème, je sais que je peux compter sur oui, je comprends, j'ai ça dans la tête. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Qui de nous deux est le plus bavard? Bavard? Ouais. Et c'est toi? Ah cousine, des fois tu parles hein? Non. Non, c'est moi le plus bavard. Moi je parle pas, je suis timide. Parlotte, je suis pas timide, je suis réservée. Ça dépend avec qui. Ah moi j'ai la parlotte de ouf. Nora tient ça de moi en fait. Nora elle parle pas. Quoi? Nora elle est comme moi. Hein? Quand elle est... Ah non, Nora elle parle. Nora elle parle de fou, Nora. Nora elle a grave la parlotte. J'avoue. Nora, il parle trop. Ouais. Ouais, bah moi, je suis pas très bavard. Enfin, ça dépend. Après, c'est la sociabilité. Ouais, si j'aurais posé la question qui est le plus sociable, c'est lui. Moi, je suis pas du tout. Et des fois, quand t'es avec tes cousines, ici, vous parlez, en fait, bien. Oui, mais parce que c'est mes cousines. Genre, si c'est des gens extérieurs, des fois... Et le prenez pas mal, hein, parce que j'ai déjà eu beaucoup de retours comme ça, où en mode, ouais, elle prend de haut, ou elle est hautaine, ou elle calcule pas, nanana. Mais c'est vraiment parce que je suis quelqu'un de timide. Je suis réservée, et quand je connais pas, je mets des barrières. Elle est gênée en plus par ça. Ouais. Elle est grave gênée quand vous venez la voir dans la rue et tout. Ça veut pas dire arrêter, hein, continuer. Ça fait plaisir parce que ça booste, en vrai, ça motive. Mais c'est vrai qu'elle est gênée de ouf par ça.
Mais sinon, c'est cool, c'est cool. Je fais des efforts, j'essaye de m'ouvrir de plus en plus et voilà quoi. Ah, qui parle le mieux français? C'est moi. Je te lave en français. Je te lave en français. Et tu sais quoi? C'est parce que moi en fait c'est en fait tu me vois trop en mode argot quand je parle en mode wesh wesh, mais sinon je sais, tu sais très bien que si on doit partir en français français, je te lave en français de ouf. Et je vais vous dire un truc, parce que ouais, il croit que il se la pète, sauf que moi je m'en beurre en fait. Je m'en beurre. Je sais. Que moi je te lave en lingala, frère. Y'a pas de soucis. Ah oh, télématé pétin, l'encre bandosco pétin, lala. C'est pas ma langue, hein. Le français, c'est pas ma langue. C'est ça, bon, je vais pas dire lingala, c'est pas ma langue. Non, parce franchement, si, c'est ma langue si aussi, je commence à parler en lingala, vous allez pas croire que je parle français comme je parle. Parce que vraiment. En vrai, c'est quand pas ça. Le français, c'est pas sa langue maternelle, en vrai. Bah, toi aussi. Et toi, Alvin. Au bout d'un rond, mais. Mais le français, c'est que j'ai appris à parler français avant d'apprendre à parler lingala. Ah oui, après lui, il est né en France, moi, je suis né à Kin. Et frère, moi, tu lingala, je me débrouille. Je suis en vrai, je me débrouille, je parle lingala, je parle grave bien lingala, ben c'est juste après j'ai un accent en français, mais je parle grave bien lingala, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a, ils sont ouais, 100% Z, et je peux te dire que bah, au télématé, comme t'as dit, comme t'as dit au télématé, ah ouais, je peux te le dire, je peux te ouais, le dire. Vrai. Mais il parle bien français, et alors frère, je m'en fous. Moi aussi je parle bien lingala. Non, en français tu parles bien. Ouais. En vrai, si comment tu parles français là, si on dit l'âge à laquelle t'arrives en France, il y en a beaucoup, ils seront en mode ah tu manges. Après j'étais dans une très bonne après, école. Ouais, c'est ça, au bled, t'as étudié dans des bonnes écoles. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Attendez, j'avale. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On va regarder le match. Non. C'est la fin de la vidéo. Ah oui, t'aimes bien regarder le théâtre en plus. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment. Ma bokeh time. J'espère qu'elle vous a plu. Ce petit comeback. J'espère que je vais rester active. J'espère aussi. En tout cas, je vais essayer. Ou sinon, bah, je vous mets mes réseaux encore, motivez-moi et tout. Parce que sur les réseaux, des fois, j'arrive à être active. Mais sur YouTube. En fait, c'est le fait de se préparer, de poser, de nanana. C'est long en fait. Mais bon, je vais faire un effort. Dites-nous quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur Ouais, et donnez-nous des idées de vidéos. Voilà, allez vous lâcher dans l'espace commentaire. Ouais, voilà. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner, commenter, partager comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon, à vous, Yachemine. Ciao, ciao. On s'attrape la mif.